j'ai vidé mes eaux usées. Donc maintenant, direction le garage vite fait, chercher les extensions de valve que j'attends depuis un petit moment et que finalement il n'avait pas reçu, il avait oublié. Du coup, bah, ça fait qu'il faut que j'aille chercher l'eau parce que j'ai un gros projet qui s'en vient et je te dirai ça dans une prochaine vidéo assez rapidement. Fait que là c'est parti, j'y dois avant qu'il ferme parce qu'après il est en vacances, comme la plupart des gens d'ailleurs. Fait que c'est parti mon kiki. Bon, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, ils annoncent une grosse tempête entre guillemets. Et du coup, j'ai pris le stock du pain. Ah oui, tout bon français qui se respecte, ça arrange de toujours avoir du pain. Et en plus, comme on tombe pas près sur Noël, donc les magasins vont être fermés, ce qui est logique. Donc là, j'ai 3-4 baguettes, ça va être pépouze. Comme on mange beaucoup de fromage et tout ça, donc voilà. Allez, c'est parti pour le bois pour ouvrir. Bon matin à toi. Bon bah la tempête est à nos portes. En fait plus qu'à nos portes parce qu'elle est là. Fait que là j'en profite pour une petite accalmie. Et je vais aller. Alors peut-être pas déneiger le toit parce que ça permet de faire une isolation quand même. Mais plus essayer de dégager un peu le panneau solaire. Ça va pas faire des masses mais au moins ça va aider un peu. Et pelleter devant le camion parce que ce matin le déneigeur est passé. Et du coup, il me reste encore un petit peu à pelleter, fait que pour éviter que ça gêne, je vais le faire maintenant. Allez, c'est parti. Bon, comme tu l'as vu tantôt, le déneigeur est passé. Ok, moi j'ai pelleté aussi, regarde. Il est retombé quasiment 15 cm là. Puis regarde, là, le déneigeur est passé, ça se voit quasiment plus. Regarde, tu vois. Ça se voit un peu là, mais pas énorme. Mais ouais, je vais mettre un coup sur le panneau solaire, mais... Je ne sais pas trop si ça va durer longtemps, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce sera toujours ça d'enlever. Ah, regarde là-bas, j'allais chercher mon balai. Donc, c'est parti. Il y a un petit peu plus de vent que ce matin. Mais je trouve ça vraiment cool parce que du coup, putain, regarde la neige. C'est ouf. C'est ma première tempête. Vraiment tempête en complètement d'autonomie. Bon, j'ai quand même du bol parce que je suis à l'abri du vent. Parce que tu vois, on entend le vent là-haut. Je sais pas si tu verras sur la GoPro, mais les arbres là-haut ils bougent. Moi j'ai du bol, je suis à l'abri du vent. Donc c'est une bonne chose. En même temps, j'avais calculé mon truc. J'ai mis quoi de mon balai? Enfin, j'avais calculé mon coût en fonction de pas avoir. Comment dire. Pas de jambes. Oh, je pensais que j'avais oublié mon balai, pourtant il me semblait l'avoir pris, mais j'étais pas sûr. Mais si j'avais oublié mon balai, j'aurais été un petit peu dans le caca. Fait que non, c'est ça, je disais, j'ai calculé, tu vois, comme tu peux le voir. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas vraiment d'arbres proches de moi. Puis ceux-là, ils sont vraiment en bas, donc ils peuvent, tu sais, ils sont loin en crise. Puis j'ai lancé quand même des rafales à 90. Et de la pluie verglaçante. Bon, finalement, ici c'est de la neige, tant mieux. Mais il faut aussi penser à ça, pas se mettre en danger inutilement. Donc j'ai pas d'arbres à proximité, faut qu'il peut y avoir du vent. Pff, ça ne me gêne point. Allez, on va monter sur le toit. Alors je suis sur le toit et franchement c'est la première fois où j'ai autant de neige. J'ai jamais eu autant de neige sur le toit là. Regarde ça. Alors l'idée, je vois même pas. Là c'est la clim. Ici là c'est la clim.
Là il y a le dôme de la fenêtre, de la salle, la chambre. Et ici j'ai quelque part le dôme de la salle de bain qui est en relief. Enfin là j'ai le dôme plutôt du salon, pardon. Donc là, faire super attention, c'est surtout dégager avant de marcher. Je connais mon toit par cœur, mais surtout faut pas que je marche sur une fenêtre, sinon je suis dans une merde pas possible. Donc on fait super gaffe, bien évidemment pas tomber dans le flux, puis ça rajoute quand même beaucoup de poids. Fait que j'essaie de déneiger au fur et à mesure pour aussi pas abîmer le toit plus que ça ne pourrait. Donc c'est parti. Alors tu vois, c'est un inconvénient parce que si j'avais du vent, par contre, je pense pas que j'aurais autant d'accumulation de neige sur la place. Fait que c'est ça. Bah allez, c'est parti. Bon, c'est juste un truc que je viens de remarquer. Quand je pelletais, donc tu vois, j'ai pelleté, mais bon, ce qui retombe, bon, voilà. Là, il y avait beaucoup de la neige du campeur aussi que j'ai jeté. Quand je veux quand même laisser un accès. Bon, là, ce matin, bientôt, je saisais, le déneigeur est passé. Mais tu vois, un truc que je me dis, c'est qu'hier soir, quand je suis venu, il était 21h, je pense. Non, 20h. Et en fait, il y avait un gars en pick-up, il y avait deux gars en pick-up qui sont venus. On fait demi-tour, ils sont repartis. Moi, j'étais en train de me stationner. Et en fait, si tu regardes bien, là-bas, en fait, ici, là. D'ailleurs, Sophie, petite anecdote, si tu regardes cette vidéo, tu vois là, on s'était garé tout le coin derrière. Tu vois à quoi ça ressemble quand il neige beaucoup. Fait qu'en fait, la route, elle arrive ici. Et là, t'as le parking pour la trail de la Matawin. Et en fait, quand tu regardes bien, là, il a juste déneigé devant mon spot. Là, il a essayé de mettre au max, mais après, il peut pas faire des miracles non plus. Donc là, je vais pelleter avant que ça gèle trop. Et il a juste déneigé là. Donc en fait, je me demande si hier, le gars, quand il est venu, il s'est assuré qu'il y avait personne sur le parking. Où il est venu et il m'a vu et du coup il a dit au déneigeur, bah écoute, il faut passer si t'es quelqu'un. Bah moi pour vrai je vois que ça parce que sinon ça sert à rien de déneiger là, il a bien assez de job que de se faire chier à déneiger un parking qui arrive à part à une trail, il n'y a pas de maison ici là. Fait que je trouve ça cool, pour vrai, vive le Québec pour ça. Mais bon moi il faut que je continue à pelleter parce que j'ai pas fini, hein, comme tu peux le constater. Puis j'aimerais ça enlever un peu du toit sur le nez de mon trek. Bon ben voilà, j'ai fini de déneiger comme tu peux le voir. Un beau petit chemin bien sympa. Si jamais j'ai besoin de sortir, je peux sortir. Bon, je dis pas que c'est une autoroute toute lisse, mais voilà. Et là j'ai déneigé juste ici. Parce qu'à vrai dire, ça m'évite d'aller sous le slide et de me cogner éventuellement. Donc monter mes chances de me cogner. On s'entend que ce serait pas le bon moment de s'ouvrir le front. Donc voilà. Et voilà. Et j'ai soulagé un peu le nez à pépère aussi, j'ai enlevé le neige sur le toit. Puis j'attends pour qu'il reneige. C'est tellement beau pour vrai. J'aime bien entendre le vent au loin. Donc voilà, donc là pour moi il est temps de rentrer, j'ai fait ma job. Donc là je pense que je suis pas activé, mais je vais peut-être commencer. Aujourd'hui ça va être purée à midi. Purée avec un cordon bleu. Ça va chauffer le campeur en même temps. C'est parfait. Ah, je vais juste déneiger un petit peu ici. Allez, c'est parti. Bon ben là, j'ai fait alors un petit cordon bleu. Et là j'ai fait une petite purée faite maison. C'est trop bon. Donc je vais manger ça. Ça va être parfaitement bon. Le truc avec les températures comme ça fait toujours bien de manger, bien chaud. Surtout après le pelletage et cet après-midi, il va falloir que je repelte, donc faut prendre de l'énergie. Allez, je vais manger. Bon, j'ai déneigé de nouveau le tour de la maison. Ah, style, c'était pas une sinecure à faire parce que là j'avais en plus de nouveau redéneigé le toit, donc ça avait retassé et puis tu vois, ça commence à être pas pire épais. Puis avec ma mini pelle là, c'est pas l'optimisation. Donc là, j'ai laissé un peu de neige sur le toit du camion parce qu'en fait, je pense dans la caméra, je pense pas avec la génératrice, il commence à avoir un petit peu de pluie à la sente, ce qui était annoncé. Donc je vais laisser ça dessus, parce que ça va être plus facile à nettoyer. Puis ça va éviter que mes essuie-glaces ils soient des glaçons à devoir attendre un temps qu'ils se décongèlent. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai mis la pèteuse en route. Alors, je sais qu'il y a des débats de ouais, mais ça pollue. Oui, je comprends, mais moi j'ai envie de rester au chaud. Et en plus de ça, il faut que je fasse charger mes batteries. C'est comme ça. Je veux dire, ceux qui font tourner leur chauffage électrique, c'est pas plus écolo. Donc voilà, donc là je vais la faire péter un petit peu de temps, mais tu vois, ça fait un peu de bruit, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas si pire. Ça fait fondre un peu la neige, c'est pas trop propre.
Et là, je la fais charger un petit peu. Donc là, mon système, tout ce que j'ai fait, c'est que la prise, elle est là. Donc j'ai bloqué dans le rouge jumelé pour qu'en fait, elle soit le moins possible déjà par terre et dehors. Comme ça, s'il neige, ça ne neigera pas par-dessus. En sachant qu'aujourd'hui, le tuyau est souple, demain, il va faire moins 10, il va l'être un peu moins. De toute façon, je vais le laisser jusqu'à que je tout mon séjour ici en fait. Donc là, j'ai redéneigé un peu ici aussi. Donc là, je mets un peu, j'ai mis en économie. Comme ça, elle tournera plus longtemps. Puis bon, en fait, ça prend pas grand chose, c'est juste faire charger les batteries, faire charger mon MacBook. Puis je vais me faire une petite partie PS4, mais même la partie PS4, je peux la faire sans génératrice. Mais tant qu'à l'avoir allumée. Et surtout pour les batteries. Donc voilà. Ce qui est fou, si tu regardes, j'ai essayé, je sais pas trop si ça va rendre avec la GoPro. On se croirait sur la Lune. C'est trop ouf. C'est vraiment beau, je vais essayer d'aller faire une petite photo. Mais pour vrai, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, c'est sûr que si je devais dire quelque chose, c'est d'avoir une pelle un peu plus optimisée. Ce serait plus simple. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. C'est pas si pire. Puis c'est tellement beau. Puis c'est bien, c'est que j'emmerde personne parce que rien. Le déneigeur est passé ce matin. Donc ça se voit un peu là. Mais clairement, aucune voiture à part un truc un peu surélevé pourrait venir là. Donc là, avec la neige coulante, tu sais, laisse tomber. Donc voilà. Moi, j'essaie de garder l'avant du truck le plus propre possible. Je sais qu'il va repasser au moment donné. Et donc, avoir un gros banc de neige avant de partir, ça va être compliqué. Donc, le fait que je pelle au fur et à mesure, bah, ça va très bien comme ça. Voilà, c'était le petit débrief de ma première journée dans une tempête qui a finalement très grosse quantité de neige. Ça, c'est un fait. Mais moi, pour moi, j'ai du bol, il n'y a pas tant de vent que ça. Bon, c'est cool. Mais demain, on va monter la température, on va descendre la température un peu plus basse, de moins 10. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Je te ferai un petit débrief tantôt, un peu les upgrades que j'ai fait sur le campeur depuis que je l'ai pour l'hiver. Mais là, j'en ai fait un nouveau, entre guillemets, à LOL. Enfin, je vais y mettre mon thermomètre. Comme ça, cette nuit, comme ça va vraiment descendre. Voir à combien il fait dans la soute. Parce qu'ici, là, c'est là où je vis de mon popo et mes eaux grises. Fait que si ça gèle, comme ça a été l'année dernière, bah, c'est la misère. Donc, et à la longue, ça peut finir par péter des trucs. Que je voudrais pas. Voilà. Bon ben voilà, c'est ainsi que finit cette première journée dans la tempête. Donc ce soir, ce sera au menu une petite soupe pépouze. Bon, je me suis pas embêté, vermicelle, de l'eau chaude, bouillon de cube, terminé, bonsoir. Puis avec un petit peu de fromage que je vais te montrer, que je suis pas peu fier. Du fromage québécois à base de champignons et de truffes. Bon, on va être à l'envers là, mais c'est pas grave. Il est super bon. J'avais découvert une fois, il est pas donné comme tout fromage, mais il était pas mauvais. Fait que là, il était en rabais, j'en ai acheté deux, comme ça je suis tranquille pour un petit bout. Fait que là, on surveille tranquille la petite soupe. Je vais manger ça, puis je vais me faire une petite partie probablement de PS4 que j'ai toujours pas fait. Je vais m'en faire une tantôt. Et puis, voilà. Fait que je te dis à demain pour une nouvelle journée dans la tempête. Bye.